Aymeric Connery. Prends le contrôle de l'antenne dans le Rico Show. Rémi, vous, ça fait, vous êtes un musicien homme orchestre. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et c'est exceptionnel ce que vous faites. Ça fait des années, vous avez un tube qui est La Vie en couleur, qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Ça se compte en centaines de milliers. Plus de 250 000, je crois. Non, plus encore. Plus encore. Un million de faces. Un million. Ah ouais. Ah ben, écoutez, bravo, hein. Un million. Et ben, franchement, bravo à vous et merci d'être là. Comment ça vous est venu cette idée? Oh ben, je voulais faire de la musique et puis comme je connaissais pas la musique, ben, tout simplement, je me suis dit, je vais m'accrocher des instruments sur moi et puis je vais commencer à me bouger un petit peu. Ouais. Et puis, à force, c'est devenu de la musique. Au début, c'était du bruit. Ouais. Voilà, mais on a le droit de faire du bruit. De toute façon, ouais, c'est clair. La fête de la musique, c'est ça, c'est que on peut prendre des casseroles, on peut prendre des bambous, on peut prendre des claves, c'est-à-dire des bouts de bois, les taper. C'est fort. Et ça fait de la musique parce que quand c'est en rythme, c'est bon. Ah oui. Rémi, vous pourrez nous refaire quelque chose ou on se le garde pour plus tard? Oh, on se le garde pour l'anniversaire. Ouais, voilà. On va se le garder pour l'anniversaire et on s'écoutera un extrait de votre album qu'on a et que je montre. Tiens, je le montre à nos amis auditeurs qui sont sur Dailymotion. On le montre. Ah ouais. C'est un magnifique, une magnifique pochette d'ailleurs qui vous symbolise puisqu'elle est toute festive la pochette. C'est vrai. C'est un pays magique dans les nuages et c'est un voyage qu'on fait, voilà. Ah ben j'imagine. Voilà. On va pas jusqu'à la lune mais dans les nuages. Au pays magique. Des fêtes et des anniversaires. Et vous avez fait, il faut le savoir, une traversée. Alors ça, j'ai lu ça, j'étais sur le cul, hein, on va le dire. Vous avez fait une traversée de l'océan Atlantique sur des skis flotteurs. Mais c'est quoi cette histoire? Racontez-nous un petit peu, c'est fou ce que vous avez fait. C'est du vrai. Racontez-nous. C'est du palpable, comme on peut dire. Ouais. Parce que j'étais parti sans eau ni vivre, je voulais traverser l'Atlantique. Bien sûr. Un peu à la Bombard, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alain Bombard. Bien sûr. C'était quelqu'un qui avait traversé l'Atlantique un peu en survie. Et moi, j'ai refait cette survie, mais en survie dynamique. D'accord. C'est-à-dire je marchais sur l'eau en même temps. Oh là là, c'est fort. Ouais. Et il y a dû avoir des péripéties, des galères durant votre parcours. Oui, bien sûr. Bah, ça a duré 2 mois. Au début, j'avais beaucoup de kilos sur moi, et à la fin, j'avais 22 kilos en moins. Ah ouais, c'est fou. Alors, il y avait bien des requins, mais ils se sont dit, il est trop maigre, c'est pas la peine. Il n'est pas encore bon à bouffer. Et vous avez réessayé aussi sur le Pacifique, mais ça s'est moins bien passé là. Ben, le Pacifique n'est pas aussi pacifique qu'on le croit. Voilà. Quand Magellan a traversé le Pacifique, c'est vrai qu'il était assez pacifique. D'accord. Mais il y a des endroits où il est beaucoup moins. Ouais. Et au bout de 5 mois, j'étais obligé de jeter l'éponge. En réalité, j'avançais plus, je reculais. J'imagine. Ah ouais, carrément. Il y avait des courants contraires. Les vents ne me poussaient pas vraiment dans le bon sens parce que je voulais aller de Los Angeles jusqu'à Sydney. Je voulais arriver pendant les Jeux Olympiques de l'an 2000. Ouais. Et puis finalement, au bout de 7800 km et de 153 jours... Vous étiez repêché à Hawaï, c'est ça? J'étais repêché à 850 km au sud de Hawaï par une équipe de Thalassa et mon épouse aussi qui est là ce soir. Votre épouse qui est là et qui vous suit partout finalement. Elle vous suit dans vos délires, on va dire. En tout cas, là, elle voulait m'enlever de mon délire. Vous le ramener sur Terre. Et on a eu le bonheur finalement d'avoir Rémi Bricat, ses colombes et ses instruments. Est-ce que vous revenez nous voir pour l'anniversaire de la radio? Ben oui, si je suis dans le coin, je viens, c'est sûr. Ah ben ce serait un bonheur parce que vous allez, je vous promets qu'on vous donnera un rôle central parce que quand vous êtes là, vous nous remplissez de bonheur. On a tous des soucis dans la vie. Ça vous a fait cet effet? Il nous remplit de bonheur, exactement. Franchement, il était dans le studio pendant 10 minutes. On a tout oublié. C'est un homme formidable. Alors je vous invite à commenter via le hashtag RicoShow parce que pendant la musique, il va vous lire. Merci Rémi Bricat d'avoir été là. C'était un vrai plaisir. Franchement, on essaie de s'organiser ça. En tout cas, moi, je ferai des pieds et des mains. S'il faut venir vous chercher en coccinelle volante, je viens vous chercher.